Toute cette semaine, c'est Willy Barois, le chef du B à Belleville, qui cuisine pour nous. On va réaliser la troisième recette de cette semaine. Il est parti donc sur de la truite qu'il associe avec du céleri. Donc là, on va lever les filets de la truite. Donc toi, tu es parti sur de la truite, mais on peut partir sur n'importe quel poisson. D'accord. À n'importe quel poisson. Ah oui. Suivant l'envie du moment. D'accord. Et les produits qu'on trouve sur le marché, quoi. C'est ça. Tu vas quoi? Tu mets quoi? Un filet? Non, c'est pas un filet par personne. Si. Ah oui? Ok. On est généreux. Oui, je vois ça. Tu vas garder les arêtes de ta... Les arêtes. D'accord. On fait un petit fumé. Oui. Mais la truite, un peu d'eau. On fait cuire tout doucement. D'accord. Et après, on crème légèrement. D'accord. C'est tout. Et ça sera notre sauce ? Notre sauce, oui. D'accord. Et la truite, c'est un produit que tu utilises souvent au resto ? Je l'utilise assez régulièrement. Après, souvent, non. On est plus poisson d'eau de mer, quand D'accord. même. D'accord. Après, comme on change les cartes... Ça t'arrive, en tout cas, de la travailler. C'est vrai que c'est sympa de travailler ces poissons-là aussi. Donc là, tu mets un petit peu d'huile d'olive. C'est ça. On met nos filets de poisson. D'accord. Donc, côté peau. Ah non, côté... Non. Côté chair. Côté chair. La peau, elle sera au-dessus. Elle va protéger le poisson parce qu'on ne veut pas qu'il soit trop cuit. D'accord. Et tu vas le cuire comment ? Sous la salamandre. J'ai pas de salamandre chez moi. Désolée. Alors, vous pouvez le cuire pareil, mais au four. D'accord. Au four et grill ? Non. Ah non, même four un four classique. Traditionnel. Ouais. À combien, pendant combien de temps au four ? C'est 4 minutes au four, grand max, ah, à four chaud. C'est rapide. Okay. Oui. Four très, très chaud. Il faut qu'elle reste moelleuse. D'accord. Okay. Pour que ça soit trop cuit. C'est un peu comme le saumon. Il y a des point de cuisson sur la truite. Il y en a, ils vont vous dire, moi je veux bien cuit. Bon. Non, je trouve qu'il n'y a rien de... Mais après, c'est sec. Cuit. Oui, c'est ça. Et nous, on ne cherche pas ça du tout. Il y a tous les goûts. Oui. Donc là, on le met sous la salamandre, c'est bon pour toi. C'est ça. Eh bien, on y va. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Willy ? On va couper le céleri. Oui. Donc là, tu as pris ta branche. Hein. Branche de céleri épluchée. Oui. Non. Et tu vas le tailler. On va le retrouver comment ? Un petit biseau, comme ça ? Voilà. On va dresser comme ça. Et tu vas faire quoi avec ça ? Tu vas les poêler ? Les blanchir. Ah, ok. Juste les blanchir. Juste les blanchir. Et après, comme là, on va faire un trade. On peut jouer comme ça. D'accord. C'est de la petite déco. C'est de la petite déco. Mais qui apporte quand même du croquant. C'est ça. C'est ça. Tu veux Parce un peu de mâche. Il n'y aura pas de croquant sur l'assiette, sinon. Donc... D'accord. On va juste ramener, mais on le blanchit... Ça va blanchir deux minutes max. D'accord. Quoi. Je le prends, le blanchis, alors. Hop. Je le mets dedans. Et c'est bon. Et c'est tout. Ensuite, qu'on fait ? Ensuite, on s'occupe du céleri. Oui. Donc, céleri que tu as préparé, que tu as cuit dans de l'eau. Dans de l'eau, oui. Et là, on va le mixer, c'est ça ? Le mixer, oui, pour avoir une purée. D'accord. On va rajouter un peu de crème s'il faut, juste. Oui. Donc, tu vas d'abord le mixer, voir ce que ça donne en texture, et après, tu rajoutes si besoin et de la crème. C'est ça. Donc, tu veux quelque chose de très, très lisse et très fin. Le plus lisse, oui. Le plus lisse possible. On va rajouter juste un peu de crème. D'accord. C'est vraiment pour apporter un petit peu de douceur. Hop là, on est bon. Ah, nickel. Nickel. Donc ça, c'est bon. On a notre purée qui est prête. Les céleri qui sont sortis de l'eau. D'accord. Et là, on va dresser avec la truite. Eh bien, super. On la sort du four, on dresse et on goûte. Donc, on met notre purée de céleri... dans l'emporte-pièce. Hop là. Tu veux que je fasse les suivantes ? Allez. Cadeau. Ensuite, donc tu rajoutes un petit peu de sel. Fleur de sel. Fleur de sel, donc sur les truites. Et donc tu mets ta truite directement dessus, sur la purée de céleri. C'est ça. Tu rajoutes donc ton céleri en branche que tu as blanchi. Donc là, c'est la fameuse crème dont tu me parlais. Oui. Donc, tu as utilisé la carcasse de la truite. Oui. Tu l'as mis dans ta casserole, crémée légèrement. En gros, ça a infusé. Avec un peu d'eau. Ouais. Avec un peu d'eau. Et ça donne ta sauce. Ça me donne ma sauce qu'on va mettre... On va mettre l'huile verte avec. D'accord. Donc, comme ton ça, huile... Ça va trancher, d'accord. Huile verte que tu as fait donc à base de quoi ? Huile d'olive. Huile d'olive, les branches de céleri et du persil. D'accord. Et donc, tu l'ajoutes... Avec et directement, tu... et en fin de compte, ça fait un... Ah, ça fait des petits œillets, ça fait une sauce tranchée, c'est ça ? C'est ça.
qu'on recherche pour donner un peu de... Ouais, c'est super. Un peu de couleur. Et en même temps, un peu de gourmandise. C'est ça. Non, mais parce que c'est vrai, on a tout cuit hyper sainement, en fait. Hein. Et voilà. Eh bien, on va goûter. On y va, on goûte. On y va. C'est top. C'est très bon. Le mariage, là, avec l'huile et la petite crème, t'as vraiment le côté... la crème qui apporte la gourmandise et en même temps le peps avec la petite huile. Mmh. Et le fait, c'est très important de rajouter, je trouve, le céleri en branche, le côté croquant. Oui, parce que sinon, il n'y a pas de croquant. Ouais, et donc c'est vraiment top. Et c'est une recette qui est facile, qui est simple, qui est rapide, qu'on peut faire en rentrant chez soi à la maison. Donc c'est tout à fait le genre de recette qu'on aime bien, nous, dans un feu doux. On fait quoi ensuite, Willy? Après, on fait un riz de veau, girolles et melon.